monsieur. Bonjour, madame. Je désirerais savoir pourquoi tous les partis du Conseil national et du Conseil des États sont opposés à l'initiative Monnaie Pleine. Très bonne question. Il faut savoir qu'à Berne, le lobby des banques et de la finance est très puissant et omniprésent. Il y a des lobbyistes dans tous les partis, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Tous nos sponsors nous ont menacés en disant qu'ils nous couperaient les vivres si nous soutenions l'initiative lors du vote en chambre. Vous pensez bien qu'il est impossible pour notre parti de ne fonctionner qu'avec les cotisations de nos membres. En soutenant Monnaie Pleine, nous risquons tout simplement de disparaître. Nous avons dû nous plier aux diktats de la finance. Par chance, les sections cantonales et locales sont bien moins menacées. Plusieurs d'entre elles se sont prononcées en faveur de l'initiative, comme par exemple dans le canton des banques, à Genève. Le parti et les jeunes socialistes, les Verts et les jeunes Verts, le MCG, ainsi qu'Égalité et Équité, se sont prononcés en faveur de l'initiative. C'est pour ça qu'ils appellent à voter oui le 10 juin à l'initiative Monnaie Pleine.